Salut à tous, c'est Nautix. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment jailbreaker votre PS4 en 4.55. Donc ce tutoriel là, il y a beaucoup de gens qui l'attendaient et c'est enfin disponible, donc je vais vous montrer directement. Pour commencer, si vous êtes sur une version plus ancienne que la 4.55, comme moi je suis en 4.50 sur cette PS4 là, vous allez appuyer sur le bouton de votre PS4 et vous allez laisser appuyer jusqu'à ce qu'elle fasse un deuxième bip. Ensuite vous allez arriver dans ce menu là et donc vous allez aller sur mettre à jour le logiciel système. Là vous faites mettre à jour depuis le périphérique de stockage USB. Et dans la description, je vous mettrai la mise à jour 4.55. Vous allez la mettre dans un dossier PS4. À l'intérieur, un dossier update. Et à l'intérieur, vous mettez la mise à jour. Ensuite, vous branchez votre clé USB avec la mise à jour sur la PS4. Donc moi, je vais directement le faire. Une fois que c'est fait, vous allez appuyer sur OK sur l'écran de votre PS4. Et votre PS4 va seulement installer les mises à jour 4.55 parce que ce jailbreak ne marche pas sur les autres versions. Il marche pas sur la version en dessous ni sur la version en dessus. Et aussi à savoir, vous pourrez pas aller en ligne avec ce jailbreak puisque là vous êtes en ancienne version. Si vous avez une PS4 en 5.01 ou une version plus récente, il y a un jailbreak qui va bientôt arriver. Mais pour ça, il faut que vous arrêtiez de faire les mises à jour et que vous arrêtiez de jouer en ligne pour un moment jusqu'à ce que le jailbreak sorte. Donc là, la PS4 va redémarrer, vous appuyez sur X, elle va installer les mises à jour. Pendant qu'elle redémarre, vous allez tout simplement télécharger et ouvrir le logiciel SKFU Proxy que je mettrai dans la description. Donc une fois que vous avez ouvert ce logiciel, vous allez aller dans Rules. Ici, dans la première case, vous allez copier le premier lien qui sera dans la description. Donc tout sera dans la description, le premier lien. Ensuite, vous collez le deuxième lien. La deuxième case et vous faites add rule. Ensuite vous appuyez sur le bouton bleu ici. Si ça bouge en vert comme ça, c'est que c'est bon. Ici vous avez une IP, donc moi c'est 5012.168.1.32 et un port. Ce point là il faut bien le retenir. Ensuite vous allez télécharger le logiciel PS4 Payload Sender, donc il est uniquement pour les 4.05 et 1.76, mais il fonctionne sur les 4.55. pour ça il faut cocher la case 4.05. Donc on va attendre que la PS4 finisse de se mettre à jour et ensuite votre support redémarrer. Donc une fois que la PS4 aura redémarré, vous allez vérifier qu'elle est bien en mise à jour 4.55. Donc moi elle est déjà en train de télécharger la mise à jour 5.05, donc il faut bien sûr la supprimer. Sinon elle va se mettre à jour sur la dernière mise à jour. Ensuite vous allez dans paramètres, vous allez sur réseau. Ensuite configurer la connexion internet. Donc je vais mettre en grand, ça va être mieux. Faites par wifi ou câble en fonction de ce que vous utilisez. Là vous mettez personnaliser. Ensuite vous mettez votre réseau wifi ou câble comme habituellement. Ensuite vous patientez quelques secondes. Ensuite pour adresse IP vous mettez automatique. Ici vous mettez ne pas spécifier. Ici automatique, automatique. Et sur serveur proxy vous allez mettre utiliser. Là vous allez mettre l'adresse que vous donne le logiciel, donc en face de serveur de proxy serveur IP. Donc moi je vais la mettre. Ensuite vous mettez aussi le port qui vous met, moi je l'ai déjà mis. Vous faites suivant. Là vous faites tester la connexion internet. Donc normalement ça va fonctionner. Ensuite, vous quittez, vous retournez dans les paramètres et vous allez sur guide de l'utilisateur. Normalement, ça va vous mettre une autre page que le guide de l'utilisateur. Donc c'est la page de plan où il y aura le jailbreak PS4. Alors là, vous allez appuyer sur jailbreak 4.55, comme vous pouvez le voir là. Vous appuyez dessus. Ensuite, votre PS4 va tout simplement lancer le jailbreak. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez télécharger le logiciel PS4 Payload Sender. Vous mettez 4.05. Vous mettez tout simplement l'IP de votre PS4. Vous allez appuyer sur connexion. Donc le port, vous mettez 9020. Donc là, sur la PS4, ça va vous afficher tout est bon.
Et là ça vous mettra vous mettrez l'IP de votre PS4 et le port. Vous appuyez sur connexion. Ensuite ici vous cochez la case payload personnalisé. Vous appuyez sur les trois petits points. Et vous allez télécharger le payload que je vous mettrai dans la description. Et vous allez aller chercher. Donc il s'appelle Debug Setting. Donc vous l'ouvrez avec celui-ci là. Vous appuyez sur Injectar. Ensuite ça vous met Injectado. Et sur la PS4, vous allez pouvoir tout simplement quitter le navigateur. Et vous allez pouvoir retourner dans les paramètres. Et normalement en bas vous aurez le Debug Setting. Donc là votre PS4 sera jailbreaké, comme vous pouvez le voir. On a l'installateur de PKG, etc. On a tout. On peut faire ce qu'on veut tout simplement sur la PS4. Elle est jailbreakée en 4.55. Donc je mettrai d'autres vidéos pour installer des mods, etc. sur cette version de la PS4. En tout cas, voilà, vous avez réussi à installer le jailbreak sur votre PS4 en 4.55. Donc si vous avez des problèmes ou des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve dans une vidéo. Ciao tout le monde.